Salut tout le monde, comment ça va? Ici votre animateur préféré, Rich Nesbou. J'ai la forme, avez-vous la forme? Oui, ah ben c'est excellent, c'est excellent. Moi j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci parce que je suis déménageur et on est en plein dans la saison du déménagement. Quoi d'ailleurs, quand même spécial que j'ai décidé de faire comme ça une émission de radio alors que j'ai comme mis un petit peu de côté ma chaîne, mes covers et tout. Eh bien, il y avait une raison très particulière pourquoi j'ai envie de faire ça comme ça aujourd'hui. Je suis allé me chercher un nouveau micro. C'est un Green Bullet. C'est un micro d'harmonica que je compte utiliser prochainement pour chanter. Parce que le Green Bullet a une particularité quelconque qui est celle de. Je pense que ça fait comme un effet un peu de téléphone. Si vous voulez, moi, je m'entends pas actuellement. J'ai pas de playback sur qu'est-ce qui joue en ce moment, de comment ça sonne. J'espère que ça sonne bien. En tout cas, je vais voir ça tantôt au montage. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai mon nouveau micro que je teste, tout simplement. Je vais le tester, dans le fond, avec en même temps que je vais vous présenter sur ce que je travaille en ce moment. Et Rich Song. C'est mon prochain démo qui va sortir. Et attention, parce que Rich and Song, ça n'a pas du tout rapport avec qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. En fait, les Rich and Song se sont appelés comme ça. C'est un démo, dans le fond, que j'ai composé, peut-être une dizaine d'années, quelque chose dans le même. À ce moment-là, nous, on cherchait un chanteur. Ce chanteur-là, il avait une origine russe. Alors, bon, et de un et de deux, on a décidé ça. On a décidé d'appeler ça les chansons russes. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter à l'émission ce que je suis en train de faire. Puis je vous souhaite une belle émission. On va partir tout de suite en musique avec la première chanson de l'album qui s'appelle The Russian Song. Allez, bonne écoute!
Hey, c'est toujours moi. On vient d'écouter le Russian Song, qui, je le rappelle, n'a aucun rapport avec les événements de ce moment. Ça, c'est pas vraiment ça l'histoire. Mais, je suis en train d'écrire les paroles, justement. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de paroles. Donc, c'est ça, les paroles vont probablement parler de tout ça. Par contre, en fait, le truc, c'est que comme artiste, c'est pas le genre de. C'est pas que je veux pas me mêler de ça, mais c'est pas. Je pense pas être assez calé de un de par mes paroles. En fait, je sais pas. J'ai juste pas envie de parler de ça. Je pense juste pas être la bonne personne qui doit parler de ça. Mais ça va sûrement parler de la guerre, anyway, de dire. Puis je vais sûrement quelque chose dire comme que c'est pas correct. Que la guerre, c'est mal. C'est non, la guerre. C'est non. La musique, c'est oui. La guerre, c'est non. L'amour, c'est oui, la haine, c'est non. Donc, c'est ça, le Russian Song qu'on vient d'écouter. Mon Dieu, elle a eu tellement de versions différentes, elle a eu tellement de choses. Mais quelque chose qui est cool, par contre, avec cet album-là, c'est que je trouve que c'est une des rares démos, une des rares albums que je trouve qui a un nom dans ce que j'ai fait. Parce que dans le temps, c'était Justin puis. Frank était là avec moi comme musicien, puis on recordait, tu sais, comme avec le real deal, tu sais, avec les micros bien branchés et tout. Tandis que maintenant, j'ai plus tendance à me dire, bon, ben, tu sais, ce que tu fais, c'est des démos. Que le son soit pas parfait, c'est pas très grave. Dans le sens que moi, j'utilise des plugins, beaucoup de plugins. Genre, je branche, mettons, mon micro, ben. Ma guitare dans la boîte de son directement, je choisis un plugin, puis je choisis juste un son que j'aime, puis qui fait mon affaire. Tandis que quand on a recordé ça ici, les Russian Songs, il y avait. Les gits étaient faites avec des amplis, le real deal, puis tout. Et la basse, c'était la même affaire. Par exemple, la basse, je l'ai changée récemment pour mettre un plugin là, pour que ça sonne un peu mieux parce que. Je pense que ça faisait assez dur à la base. Et le drum, évidemment, mais ben ça, c'est du MIDI. C'est quelqu'un qui l'avait joué. C'est Frank qui l'avait joué au drum. Mais on avait mis des triggers pour que ça sonne avec le plugin, pour que ça sonne un peu mieux. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est la petite histoire de Russian Song. Donc, on s'en va écouter la deuxième chanson qui s'appelle Currently Done. OK, let's go!
Oh yeah, on vient d'écouter la chanson Carly Dunn. Carly Dunn, c'est une chanson que j'ai composée quand ma blonde a essayé de dormir, puis moi je voulais pas qu'elle dorme, alors j'ai composé cette chanson-là. Ça bûche cette chanson-là, cette chanson-là. Ça bûche pas mal, je suis pas mal très fier de cette chanson-là pour de vrai. C'est basé sur quoi? Trois accords, je pense. C'est vraiment bien, vraiment bien. Je l'aime beaucoup. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est la seule, par contre, dans tout l'album, que je sais vraiment pas quoi écrire là-dessus. Je sais vraiment pas qu'est-ce que la chanson peut bien raconter. Genre, je trouve qu'il y a un genre de vibe Rammstein, un peu. Peut-être, non, oui, non, oui. Mais je connais pas l'allemand, puis je trouve que Rammstein, ça marche juste quand c'est Rammstein. Du québécois Rammstein, c'est pas, je sais pas si ça serait sûrement très génial, là, mais je suis vraiment pas sûr. Anyway, je suis en processus de composition, puis ouais, puis c'est bien parce que sur les 4 tunes qui sont prévues d'être sur le démo, sur le mini-album, il y en a quand même 3 que les paroles sont finies ou quasiment finies. Alors, il reste juste celle-là. Je vais me forcer à m'emmener, puis ça va donner ce que ça va donner. On va bien voir, on va bien voir. Quand l'album va sortir, vous m'en donnerez de vos nouvelles. Donc, écoutez, on s'en va écouter une autre chanson qui s'appelle Endangered. On s'en va écouter ça maintenant. Let's go! Bonne écoute.
Hola, c'est moi. C'est moi, votre animateur préféré, Richie Nesbou. Ok, pour faire un petit retour, dans le fond, sur ce fameux micro, le Green Bullet que je viens d'acheter, que présentement, je suis en train de faire un test avec. Un, quelque chose qui m'énerve super gros avec, c'est un micro qui est hyper lourd. Il est très lourd, il est très lourd. C'est vraiment fatigant parce que, dans le fond, où est-ce que je suis allé l'acheter? Il n'y avait pas de stand à ça, c'est genre un micro que tu tiens dans ta main parce que tu joues de l'harmonica dessus, je sais pas, il y a une technique, mais je le trouve super lourd. Je trouve ça super bizarre aussi de faire une émission de radio avec une seule main puis devoir gérer avec de l'autre main. C'est ça. Donc, je sais toujours pas comment ça sonne parce que j'ai toujours pas de playback. Je vais voir ça tantôt au montage. J'espère que ça va avoir, tu sais, un petit effet radio, un petit effet téléphone. J'espère vraiment que ça va être cool pour ça parce que je compte l'utiliser pour record justement l'album que je suis en train de faire, tu sais, pour ça que je fais des tests. Parce que dans plusieurs productions que j'ai faites, en fait, j'utilisais cet effet-là de téléphone, de radio pis tout parce que je trouve que je chante mal. C'est une façon pour moi de cacher mon défaut, mes défauts de chanteur. Mais non, mais ça a un petit style, tu sais, c'est. Puis j'aime bien ça, c'est sympathique. Sauf que quitte à utiliser des plugins, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'utiliser. Tu sais, si tu as la chance de, par exemple, d'avoir un vrai drum, enregistre le vrai drum. Tu sais, prends pas des plugins. Ça peut être pratique, les plugins pour des idées, pour des démos, c'est super quelque chose, mais le real deal. Toujours meilleur, toujours. Donc c'est ça. J'espère que l'émission il était pas trop, il était pas trop plate. J'espère que c'était pas trop chiant de m'écouter. Je me rends compte que j'ai pas tout à fait une aisance à parler au micro. Dans les discussions dans la vraie vie, c'est très rare que c'est moi qui ai la parole puis qui l'a pendant autant longtemps. Donc c'est tout le temps un peu bizarre de prendre le micro, de prendre l'antenne autant de temps parce que j'ai plein de choses à dire, mais mes idées se fuckent tout le temps un peu partout dans ma tête parce que je veux trop en dire, puis je parle trop vite, puis je prends pas le temps, puis. Bah, mais en tout cas, blablabla, on s'en fout de tout ça. De toute façon, De toute façon, que ça soit bon ou mauvais, ça va aller sur YouTube pareil, puis. Ben c'est ça, c'est assez de blabla. Merci tout le monde si vous êtes rendu à ce point. Il reste une chanson, il en reste une dernière, Box of Thoughts. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de l'amour, de l'argent, du succès, tout ce qu'il vous faut pour être bien dans la vie. Donc c'était Richie Nesby, votre animateur préféré. Et je vous laisse avec la chanson Box of Thoughts. Bonne journée!